Oh, ça va être bien. Oh, je vous dis, ça va être bien. Oxen Gas Station, Arbor, Ulrig. Logiquement, j'ai BP. Putain, j'ai pas les BP. Bah ouais, mais la pause est trop bien. On va rester, c'est pas grave. Putain, j'ai pas les BP, mais c'est pas possible. Ça wipe quand les BP sur ce serveur? Ah, j'ai BP de la crossbow, quoi. Pas foufou, hein. C'est pas foufou, c'est pas foufou. C'est pas grave, on va faire avec. Ok, il y a un mur, donc ça va les couilles. Par contre, la grosse base, là, pas dégueu, hein. Pas dégueu, pas dégueu. Mais logiquement, là où on va aller, y a pas la petite base. Bon, bah, ça décaille en face, ça se trouve, j'aurai de la chance. It don't work, hein. It's very vide, hein. Dude, follow me. Follow me. Hola. Don't work, ça. Oh, il y a une toile piton là. Je le tue. Il y a une toile piton. Ah, c'est pas mon caillou. Oh merde, il se régène. Vite, faut que je jette un caillou. Il est où? Excuse-moi, mais... Faut que j'aille péter une tourelle. Ah, je l'ai vu la tourelle piton, je la veux, hein. Par contre, comment je sors? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, y'a du demi-mur, normalement, je devrais pouvoir sortir. Mais ah ouais, y'a un demi-mur au niveau de la tourelle. Faut que je me fasse 3 lances et je suis au piton. Merde, mon bois! Hello! No. Bah parce que en fait c'est la vie ma pauvre Lucette. Ah bah écoute, t'as cru que j'étais friendly. Bah tu t'es trompé. Oh merde. Oh, merde, j'aurais dû fermer ma bouche. Là, je vais pas me plaindre parce que je sais que c'est la vie. C'est Rust. J'espère qu'il va pas avoir la tourelle. Je veux juste pouvoir casser ma tourelle. Allez, donne. Nickel, merci. Oh, hello, my friend. No, please. Ah! Si je vais mourir maintenant, c'est ça? C'est mérité encore, mais bon. C'était avec plaisir. Je veux bien mourir pour ça, ça me dérange pas. Ah, oh le pauvre! Est-ce que je pourrais avoir un petit chou de fer et je le fais fondre dans le grand four? Pour ça, je me fais quand même une. Ah, nickel du fer. Vas-y, bah, je vais faire la machette. Il me faut du... Faut que je me régène, là, par contre. On se casse, on a un petit piton 80 balles. On n'est pas dégueu. On va aller vers le port. Non, on va vers le port. J'ai envie d'y aller, hein. C'est pas bien. Pas y aller. Je suis le HP.
Je peux pas le jouer, cette de bleeding. Mais chier, il doit y avoir des trucs. Si je trouve pas de close, pas de champignons, je pourrais jouer personne. Mais chier! J'aurais bien aimé le tuer. Bonjour, je bats un coup. Et après, je m'en vais, promis. Yes! Je peux avoir du close? C'est pas possible. Je pue ou quoi? Pourquoi j'ai pas de close? J'ai toujours un problème d'HP. Hein. Et ça commence à casser un peu les couilles là. Ce que j'aimerais avant tout là, c'est avoir de la life, tu vois. Ce serait parfait. Après, c'est sûr qu'on peut pas tout avoir dans la vie, mais quand même. Merci, quoi. Ah, putain, du close. Puis pouvoir se mettre un 10, ce serait génial. Mais d'abord, on va essayer de se stuff un peu. Quoi. Hop. Je vais m'habiller, je vais mettre au moins de quoi pour protéger ma tête. Il y aura des champignons pour moi, jeune, je pense. Il est grand four à gauche. Et on est full vie. C'est hyper magnifique, ça. On arrive vers l'oxium. Ok, un mur à l'envers, pourquoi pas. Deux murs à l'envers. Trois murs à l'envers. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Des portes dans sa maison, lui. Ah ouais, il manque des toits, du toit aussi. Ça, c'est intéressant, on ira checker tout à l'heure. Alors, vu qu'il y a un escalier, c'est habité. Pas dégueu, c'est bon, on en a du close. Ah ouais, ah ouais, ah, ah ouais. 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 Bon, Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semble. D'accord. Oui, non mais... Après, Voilà quoi. Il est où le recycleur du porc? Putain, c'est le porc que j'aime pas en plus. Ils ont la bonne pose, hein. Ils ont la bonne pose. Mais c'est bien habité, hein, dans la zone, hein. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. On va se mettre côté forêt. C'est bien la forêt pour fuir. Hello guys. Don't kill please. Hello. Stop, 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 stop. Oh, Yusuke. Oh, 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 oh. Yusuke, I'm me. I rush. Leave me alone. I rush. Please. Please don't kill. Ça fait trop peur ce con, putain. Please. Mais je suis chié dessus. Please don't kill me. Leave me alone. Please. What? Voilà. Vous avez entendu le petit fuck? Quand il va me manquer un petit peu de bois pour me faire un coffre, et après c'est bon. Ah, ouais, bon, comment expliquer? Moi j'avais pas, ouais, je me suis écarté d'une grosse team pour me rapprocher d'une autre grosse team. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça moi à la base, mais bon. Ça va bien se passer, je pense. Oh l'enflure, il est éclairé. Oh merde. Ok, MC, ouais. Je sais où est la Tommy.
Peut-être aller au port, moi. Beaucoup de tourelles là-dedans, je pense. Ça doit être un carnage la journée ici. On est en retard, mais on a réussi à faire notre maison. À mon avis, ça doit se fighter entre tout le monde en coin. Il y a tellement de bases au mètre carré, ça va être violent. Ça va être très très violent. Natomi, elle vit au-dessus, c'est le... On va ramener ça déjà. J'essaie de trouver des maisons, soit qu'on pourrait dip les gars, soit qu'on pourrait raid à la lance. Pour l'instant je trouve pas grand chose d'intéressant. Mais je pense qu'on va poser nos stuff puis on va aller checker les grosses bases. Hein. Et au cas, histoire de prendre la température. Sinon je vais faire le train. Je pense qu'on va aller faire le train. Et... Bah yes! Je pense qu'il y a eu une erreur quelque part là. De fait, ouais. Ouais, il y a eu une petite erreur quelque part. Qu'il soit là. Allez, je me casse. Je me demande si on va pas aller checker la grosse base aussi vite fait. Je vais garder le piton. Je vais garder le DB. J'ai assez de métal pour me faire des nailguns. On va y aller nailguns. Au truc là. Oh putain, il y a un coffre là. Tourelles ? Sont où les tourelles ? Ah ! Ah, elles sont bien placées. Hein. Ils vendent des armes contre. Ouais, c'est intéressant ça. J'ai trouvé, on peut passer par ici. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire clairement. Ah bah là, là si je monte, je tiens la ligne avec la tourelle et je la casse à la lance. J'ai pas l'impression qu'il y ait des tourelles qui regardent d'autres tourelles. Là, il y a moyen, on se fait une ligne de piton. Non, il y a un mec. Je vais me le faire. Il est où? Ah vache, il a bien joué lui hein. Il a plein d'animal fat et en plus il a un DB. Aïe. Quoi, mon corps a des pop? Ah non. Celle-là, regarde pas vers moi. Oh merde.
Bon, je peux passer. C'est tendu, hein. Je crois que je lui ai pas fait de dégâts. Si. Pendant quelques secondes, j'y ai cru. Bon, y'a rien dans les fonds. On va péter un sing. Essayer de rentrer dans l'Epic Dawn. Peut-être que... on aura quelque chose. J'ai envie d'y aller piton. Il y a une semi qui a tiré. Je suis pas fou. C'est pas une tourelle semi qui a tiré. Je suis lourd, j'ai plus de sang. Где ты его? Блядь. Le premier que j'ai tué, putain. Merde, je sais plus où je l'ai tué. Ah yes. Je vais essayer d'aller découper les mecs rêves. Mais c'est obligé, au bout d'un moment ils vont plus avoir de soin. Ah il essaie de rentrer. Le mec semi a essayé de rentrer, c'était 3 je pense. Doit être dedans, c'est sûr. Il doit être dedans. Le truc, c'est qu'il a très bien pu survivre dedans.
Oh non, mon bois vient de dépop devant mes yeux. C'est honteux. Bah bon, métal, je préfère le garder, mais ouais. Ouais, ça fait chier quand même. Ok, bon. Une grosse probabilité qu'il soit là-dedans en plus. Je pense que c'est le mec de l'Oxium que j'ai tué. Tout va bien. Je vais sortir un DB, hein, vite fait. Ah, ils passent tous dans les pics. Je suis un putain de buisson! C'était pas un super buisson là. On aurait pu se mettre vraiment très bien avec ces tourelles, mais il y a une grosse team à côté qui a entendu qu'on était en train d'essayer de péter les tourelles et qui s'est dit pourquoi pas arrêter cette base. Manque de bol pour eux, les mecs se sont reconnectés, ils ont perdu, mais entre temps c'est le bordel, du coup je peux pas péter ces tourelles. Je décide d'améliorer un petit peu la base, histoire de pouvoir se défendre s'il y a des gens autour. Et après avoir bien vu de la base, c'est le temps d'aller voir nos voisins, de prendre un petit peu la température sur tous les voisins autour. Pourquoi pas essayer de récupérer des armes en passant. Faut pas oublier que j'ai pas de BP. Ça peut être bien quand même. Ah merde! Ah, la smile là-bas. Bon, c'est pas que je m'en bats un peu les couilles de toi, mais je m'en bats un peu les couilles de toi. Quoi. Oh, il est pas passé loin ma flèche. Et sur toi, Lasmi. T'as abandonné tes flèches sur son cadavre, hein? C'est une derrière maintenant. What? Ça build à gauche. Ah, il build de four. Oh merde, ma vie. Ok, j'ai compris. Il s'est mis à gauche aussi, hein. Je sais si ça m'approchait sans qu'il me voit. J'espère qu'il m'a pas vu. J'ai passé de soi. Tu t'es autorisé? Non, il y avait pas de, il y avait un code lock.
On vient de trouver la cible, les petits voisins à côté de chez nous. Ils sont pas trop nombreux. Ils sont, allez, grand max 3, je pense. Pour l'instant, j'en ai vu que 2, mais je préfère toujours me dire qu'ils sont un peu plus nombreux. On sait jamais. Eux, ça va être plus facile de récupérer des armes sur eux. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de ressources ni de compos. Il faut qu'on fasse un petit peu le port. Beaucoup de monde là-bas, à mon avis. On va devoir se battre. Il n'y a plus leur tourelle, là. Ah, ça a des bébés d'Oxium. Dans le port. On ira voir après. Ouais, il y a des gens encore. Révo. Ok, c'est eux. Révo DB. Ouais. Oh. Bah ça c'est fait. Il est où, deuxième? Oh. Pas mal de close, hein. Ça c'est bon ça. Y'a pas d'épée par contre. Il l'avait en main je pense. Carte bleue. Pistolet à clou ouais. Non mais ça se tient. Et aucun pistolet à clou, petit combo pas dégueu hein. Allez, ça c'est fait. 750 de métal. On se met bien là. Non, on se met plutôt bien. Ah, ça pipe là-bas, ouais, j'ai bien oublié un truc. Hein. Oui, ça pipe, ça double pipe même. Flèche en feu, ça va leur faire tout drôle. On va écramer des culs! Un psy. Oh, un psy. It's good. Je suis presque sûr d'avoir entendu un coup de DB moi tout à l'heure. Ouais. J'ai peut-être raté un DB, mais je sais pas. Je vais apprendre les flèches en feu les gars. On va jouer flèche en feu Nelgun. Ça va pas être dégueu, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas gaffe, peut-être qu'on me campe. Hein. Par contre, ils habitent par là-bas. On va aller checker. Hein. Checker, mais d'abord on apprend la flèche en feu. Ah mais c'est vrai qu'il y a plein de petites TC open. Ah on va vraiment apprendre les flèches en feu. J'ai pas eu peur de ma truc hein, je vois pas de quoi parler. What? What, ça transforme là?
In the end, problem, yo. What's the problem? Il me la faut, sa tronçonne. Un peu de bois. On va aller se faire la semaine. Il y a deux naquettes devant moi. Ils sont quoi dans les mains? Crossbow? Ah, il se fait crossbow dans tous les sens. Ouais, je sais pas si je vais y être contre moi. Il est toujours la tenue de Revo. Ok, bon bah ça va, un petit toc tac, ça va, c'est works. Pas dégueu. Le PD on va le banquer, alors bon, on va jouer. Pas dégueu, tac tac tout neuf. Je joue la Tommy, oh, je vais plutôt jouer la Tommy. Ouais. On va jouer la Tommy, parce que j'ai plus de chances de réussir à le tuer et à monter. J'avoue, il n'y avait pas vraiment de raison que je tue, mais pour le plaisir. Voilà. Le rocher. Tu vas me laisser monter? Non, mais non, d'un truc. Il est refermé. Ah, il y a un compound bow. Avec des charclos. Il y a un peu de sadisme. Mais c'est gentiment, tu vois. Il y a pas de sadique gentil, mais bon. On dit que c'est gentiment, quoi.
Ça commence à se réveiller dans la zone. MP5, là où j'ai tué le P2. Concrètement, ça se trouve, c'est le même. Vu. Il m'a vu! Ah, j'étais bien, j'étais en mode. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr que j'aurais survécu dans tous les cas. Ah, ils sont en tac-tac! Ah, j'ai eu 96. Oui, c'était le moment de qu'ils fassent notre rencontre parce que pour le moment, ils ont pas trop fait notre rencontre, tu vois. Il a trop bougé, il a trop bougé, je m'en veux tellement. J'ai paniqué à la fin. Il a super bien joué. Il a strafe dans tous les sens. Oh, je l'ai mis à deux poils de cul. La Thompson, elle m'a grave mis dans la merde. J'ai été sucé. Est-ce que la carte? Donnez-moi une arme. Y'a rien. Même pas mon pitou. C'est honteux. Que j'ai mis ici. Merci mes poulets pour les sables et bis. Faut que je croise la Thompson.
Est-ce que je... Ouais, c'est une P5 là-bas. Moi, je vais aller là-bas. C'est lui qui a tout loot. HP. Je l'ai tué. Bon bah c'est good, on a pas tout récupéré de ce qu'on voulait, mais c'est pas dégueu. J'avais tué 8 HP dans mes buildings là, petit effet truc. J'ai compris. Là on se met bien là. Une tenue rien en dessous, une tête de loup. C'est que je viens de fight. Ouh, ça dans le cul. Ah, j'adore ce cerf. Putain, je sais pas pourquoi j'y vais pas tout le temps. Ah oui, parce que sinon, au bout d'un moment, je me fais snipe. Bon. Il y avait une MP5 là-bas en bas. Lui par contre j'ai jamais sound. Il joue trop sneaky les gens ici. Putain il s'est pris un... Ah l'enflure.
Le reste de la soirée, j'ai pas réussi à prendre le dessus sur mes voisins, c'était vraiment très compliqué, il y avait beaucoup trop de monde autour. C'était vraiment un bordel pas possible, je décide d'essayer d'améliorer au maximum la maison pour qu'elle passe la nuit. Et la première chose que je fais en me réveillant, c'est d'aller checker si on a toujours une maison. Et je me rends compte que la grosse base d'à côté est en train de décailler. Je décide d'aller checker hors live, histoire de pouvoir vite récupérer des choses avant que quelqu'un passe avant moi. J'arrive à monter dans la base tranquillement, très facilement, et je me retrouve à être bloqué tout en bas, avec pas mal de loot, pas mal d'armes. Il y a un hélico qui vient de se poser sur le dessus. Mon but, ça va être très simple. Faut que je les tue, sinon je peux pas sortir. Ça va pas être simple, parce que je pense qu'ils sont au minimum 2 ou 3.
Va falloir que je me casse, c'est impossible que je puisse descendre aller les looter. Le temps que je me pose en hélicoptère, ils ont des bacs partout. J'arriverai jamais, jamais à les looter, c'est sûr. Sauf si je me pose à la maison et que j'essaie de leur venir dans le dos, mais ma base est tellement proche que même si j'essaie de venir dans leur bac, c'est sûr que si je me pose dans ma maison, ils vont venir et ils vont savoir où j'habite. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai plus de base, j'ai plus de soins, faut vraiment que je rentre à ma base. Quitte à ce qu'ils viennent, au moins j'aurai des soins et des balles. Je pourrais me défendre, j'ai un toit. Franchement, qu'ils viennent, on n'a pas peur. Cherche l'hélico, c'est sûr.
Aïe, 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 aïe. J'ai essayé de discuter avec eux pour récupérer la maison et pour pouvoir continuer le web sur serveur parce que franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser et j'aimerais bien me venger de toutes les façons possibles. Mais ils n'ont pas été très coopératifs. Après, je sais pas si c'est mon anglais ou si c'est parce qu'ils n'avaient pas envie que je récupère ma base. Mais ils n'étaient pas trop pour. Hey! Hey, please! I'm just take my base, please! GG on! Please, dude, I'm solo! Hey, dude! I'm just a kid. Crush to me, please. It's me! Don't kill me, I'm just a rock. Come here. I can't get my house, please. Hey, please! My house! Hey, hey, my house, please! I'm solo player! Hey, please, take my house, please! I'm solo, please! For your house. What? Give a minicopter and I will give back your house. Mais my minicopter in the broken new rocket launcher, ça fait pouf. It's broken, bro. Bah yeah, mais... Never. Mais... Je veux juste ma maison. Minicopter or no way. Mais... J'ai compris ce qu'il voulait, lui. Je vais juste récupérer ma base. Il m'a pas les couilles de ton hélico. Ok. Oh, you very. Come. Thank you. Oh, your mate is fluke. Mais GG on, hein. It's very fun. Your base is Island. He's a big base. Yes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah, he's so beautiful. Ah ouais. Gel de göre benim amına gire. Gel bro, gel. Et tourette. I'm scary. Barış. He's very hard for me, là. Öyle durduğuna bakma, diş etken. Je crois que je suis leur chien, là. Non, je suis un petit chien, je... Ouais. Oh! Thank you. Oh!
J'ai essayé de communiquer. J'ai essayé de mettre ma dignité de côté, tu vois. J'ai voulu communiquer. C'est la première fois que j'essaie. J'ai compris, c'est bon. Ce sera la dernière fois aussi. Ma base, je vais la récupérer, et sans qu'ils veuillent que je la récupère. Et la zone, on va s'y réinstaller. Dans notre maison, on va la récupérer. Et je peux te dire qu'ils vont se souvenir de nous. J'ai énervé les mauvaises personnes. Pacam, il m'a dit, ouais, quand des gens te raident, essaie de discuter avec eux. Non, ils étaient pas chauds. J'ai récupéré ma maison. Ah bah c'est bon, j'ai récupéré. Oh. Là, ils ont fait une erreur. On va pouvoir récupérer notre base. Pas mal de petites choses. Ils nous ont laissé plein de compos. Ils ont même pas pris la totalité de notre loot. Je pense qu'ils étaient très déçus de ce qu'ils ont trouvé. Parce qu'on n'avait pas non plus énormément de choses. Que ce soit au niveau sulfure ou ressources. On était vraiment pauvres. On avait juste quelques petites armes. Et la plupart, ils les ont laissées. Donc, on va pouvoir repartir très rapidement sur le wipe. Et je peux vous dire que la zone, ce sera la nôtre. Ça, c'est sûr. On va essayer de prendre la position partout. De prendre tous les fights. Et de se mettre très bien. Donc, on se donne rendez-vous. À la prochaine vidéo pour le prochain épisode, épisode 2, qui sera sur ce wipe ou en live ce dimanche.